Et voilà. Coucou Marco. Coucou Yana. Tu sors de 5 jours de retraite silencieuse. Oui, 5 jours. Comment 5 ça jours va? Intense. Très bien. Ça fait un bien fou. Pour ma part, j'ai pas l'impression d'avoir complètement changé parce que le travail intérieur avait été fait déjà en amont par les initiations que j'ai reçues, donc j'avais beaucoup transmuté déjà. Pas quand j'étais venu pour chercher des réponses, et je les ai eues. Donc voilà. Génial. Je repars avec les certitudes que j'avais pendant 30 ans, qui m'expliquent tous mes ressentis, pourquoi je dois attendre, voilà. Donc voilà, mission accomplie. Donc je conseille vraiment ceux qui peuvent le faire de venir le faire parce que et encore ceux qui ont la possibilité. Moi j'ai fait le Cantu avant, c'est à libérer une première part en moi et faire la retraite silencieuse derrière. Je pense que c'est le final, quoi. C'est la totale. Et c'est permettre de se libérer complètement, de voir clair en soi. Donc, merci Jeanne. Merci Marco. Merci Monastère. Regarde, tu t'illumines en même temps. Merci Joris aussi, parce que, bon, voilà, la nourriture exceptionnelle, méticuleusement apportée. Voilà, on n'a rien à s'occuper, on a juste à penser à soi. Et puis, voilà. Donc, je vous invite tous à suivre mon exemple et à venir rejoindre le monastère quand vous le pourrez. Oh, merci Marco, c'est génial. Génial. Et qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir besoin de s'occuper de rien et d'être dans son silence intérieur? C'est que on pense qu'à soi. On n'a pas, quand on est parti dans une réflexion, on n'est pas entrecoupé par le fait de dire bah faut que j'aille préparer à manger, ou faut que j'aille faire ceci, ou alors le téléphone qui sonne, ou voilà, on est libre. Donc dès qu'il y a un petit relâchement, on se replonge tout de suite. Il n'y a pas d'interférence. Donc ça facilite les choses. Et le fait de rien avoir qui rentre, de ne pas avoir d'écran, de quoi lire, tout ça, c'est... Au début, ça fait drôle, parce qu'on a tendance, j'ai tendance à regarder si mon ordinateur était en veille ou pas. Quoi, mais non, il n'y avait pas l'ordinateur, donc il était sûrement en veille, mais pas à côté de moi. Et on se retrouve en fait. Oui, on se retrouve, et effectivement, on s'écoute. Moi, en l'occurrence, j'ai pas entendu de voix, j'ai pas senti, c'est juste des rêves éveillés qui m'ont apporté les réponses que j'attendais. Donc, mi-chemin entre l'éveil et le sommeil, où là, je me suis vu dans les situations qui expliquent ma mission. Voilà. Merveilleux. Ouais. C'est magnifique. Ouais. En tout cas, on a été ravis de te recevoir, ça a été magnifique. C'était vraiment la concrétisation aussi de notre mission en fait, d'être au service et de pouvoir permettre aux gens aussi d'avoir un moment, une bulle comme ça pour se retrouver et te voir sortir comme ça tout rayonnant et avoir trouvé ta mission et trouvé ce que tu es venu chercher, pour moi c'est le plus beau des cadeaux. Merci Marco. C'est réciproque. merci, c'est fabuleux. T'es beau mon frère, t'es beau, bravo, merci de nous avoir fait confiance et à vous le tour hein, si vous voulez. Vous êtes la bienvenue aussi. Bisous les amis.